Thomassi. Laurent, tu te souviens d'Elisa Thomassi? Très bien. Très bien. Bon, on l'a reçue 4 fois, non? Oui, exactement. Voilà. Exactement. Ouais, tu vois. Alors, vous êtes ici pour un nouvel album qui s'appelle Je ne mâche pas les mots. C'est le deuxième. Exact. Et à propos du premier, vous avez dit, il ne me correspondait pas. C'était plus un coup qu'autre chose. En fait, cet album, je l'ai fait quand j'avais 20 ans. Et j'avais vraiment envie de faire un album assez romantique, très variété française, très classique. Donc, j'ai fait ce que je voulais. Et je suis très contente de ça. Et puis ben, maintenant, j'ai 30 ans et beaucoup de choses se sont passées. Et j'avais vraiment envie d'un album où je ne serais pas consensuelle, où je serais libre de dire ce que je veux, où je m'assumerais telle que je suis. Et donc voilà, c'est un album qui me ressemble beaucoup plus, plus frais. Vous dites « j'ai eu envie d'être cash ». Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est cash. Ah, vous trouvez? Ah, oui, vraiment, oui. Vous avez eu envie de faire cet album quand vous avez commencé à voir un psy? C'est exact. En fait, c'était assez marrant parce que j'avais un petit cahier d'écolier et quand je sortais de nos rendez-vous, ça m'avait donné toujours plein d'idées de thèmes. Donc je notais toutes ces idées et puis je ne suis pas passée à l'écriture tout de suite. J'ai rencontré quelques auteurs comme Vincent Baghian, Richard Seff, entre autres. Et je leur ai parlé des thèmes et on a travaillé sur les chansons ensemble. Et puis après, c'est venu comme une évidence d'écrire aussi, de me mouiller, de participer à cet album. Et donc cette chanson sur le psy que j'ai écrite avec Vincent Baghian et sur le foot. Le foot, ouais, ne gâchera pas mon samedi, qui était un peu un cri du cœur. Donc vous avez eu envie de faire cet album quand vous êtes allé voir un psy. Et depuis que vous avez fait l'album, vous n'avez plus voir le psy? J'en ai plus besoin. Ah ouais? Vous trouviez trop lisse avant? Oui. Ouais. Enfin, c'est pas vraiment lisse, mais c'est vrai que quand j'étais sur des plateaux de télé, j'avais peur de déplaire, j'avais peur de m'affirmer comme j'étais. Peut-être que j'avais pas encore trouvé la façon de le faire. Et en fait, quand... T'aurais dû me prendre comme coach. Et ben voilà. Mais tu sais que j'ai toujours besoin d'un coach, on sait jamais. Peut-être que tu peux me guider pour la suite des événements. Ça y est, c'est une affaire qui roule. Ah oui, c'est décoincé, là. Hein, complètement. Hein, complètement. Elle drague Joey Star à peine en arrivant. Je ne dis pas, ouais, que j'étais coincée, mais ouais, je m'exprimais moins facilement. Il y a une chanson qui s'appelle « 5 minutes pour moi toute seule ». C'est marrant. J'étais sûre que vous alliez commencer par cette chanson. C'est normal, c'est sur la masturbation. Ça vous a plu? C'est beaucoup aimé. Ce que j'aime bien, c'est le texte. « Il ne faut pas que tu te vexes si je te remplace. » Parfois par le majeur et l'index. C'est parfait. Je comprends pas, wow, ça veut dire quoi? Elle parle de toucher rectal, là. Tu vas comprendre, ça? Au secours. Ça y est, vous êtes complètement libérée, là. Ben oui. Ouais. Elle a 30 ans. Non, mais ouais, voilà, c'est ça. Et voilà. Elle a 30 ans, ça veut dire qu'après les films de trentenaire, on va avoir des albums de trentenaire maintenant, c'est ça? Des Bridget Jones en CD? Ouais, c'est vrai que cet album, c'est un peu Sex in the City, Bridget Jones, ah oui, Desperate Housewives. Voilà, d'accord, c'est ça. C'est flatteur, en fait, Bridget Jones? Ouais. Non, ça, pas tout le temps. Hein. D'accord, okay. Quand elle met la gaine, c'est moins flatteur. Et alors, sur votre site, on peut gagner un CD et un sextoy, quoi? C'est un concours où les gens gagnent un vibromasseur et un sac tout spécial que j'ai fabriqué pour l'album. Un petit sac de filles, quoi. Un petit love box. Dès que Drouillon tourne les talons, on parle de vibro, t'as vu? Je remplace les reproches à l'air par un tic. De la langue, mon son balai, je plaque une boule que je claque. T'es devenue ma chance, t'es chewing-gum dans mon esprit. C'est toi que je gonfle, puis que j'éclate avec mes prix. Tu m'as rendu Voilà Elisa Thomassi, ça s'appelle Débilement Colle, et c'est extrait de son nouvel album, Je ne mâche pas les mots, voilà.